Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouveau Hot Lap sur Assetto Corsa. Et cette fois-ci, on a pris la Mercedes de Valtteri Bottas pour faire un tour rapide sur le circuit de Silverstone. Comme aujourd'hui, enfin, il y a les qualifications et puis demain il y a la course, donc on va faire une petite visite du circuit. Donc là, on est dans la partie où on a une partie un peu lente. On va arriver sur la première zone de DRS qui est ici. Donc là, on ouvre le DRS, on est dans Wellington Straight. On va arriver au bout avec un gros freinage hein, dans Brooklands. Et un gros virage à droite. Ah, un peu du mal ici à garder le point de corde, pas évident. Alors là, on n'est pas super rapide non plus. Hein. On rentre dans Woodcote. Et puis on arrive sur l'ancienne ligne de départ arrivée. On se rappelle les pit stops qui étaient ici. Et puis là, on va arriver dans la partie mythique du circuit, hein, donc Copse. Et qui va desservir l'enchaînement de virages Maggot, Beckett et Chapelle. Là, c'est des virages où on arrive à prendre assez rapidement, hein, pour ne pas dire à fond, les deux premiers, puis le dernier, où il faut déjà lever un peu le pied, et vraiment la dernière courbe, où là, il faut peut-être mettre un petit coup de frein. Et on arrive sur la dernière, deuxième zone de DRS, le Hunger Straight, où on a le Speed Trap au bout, hein, qui va nous permettre de voir à peu près les vitesses maximales. Une grosse courbe à droite, qui va redescendre vers l'entrée des stands, qui sera sur notre droite, à Stowe. Et puis donc la dernière chicane, Vail et Club qui amène sur la ligne de départ arrivée. Et donc voilà pour ce hot lap et je vous laisse maintenant en caméra embarquée pour profiter du tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, salut à tous!